Salut les vilains, j'espère que vous allez bien, moi ça va et je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 2 d'un fail presque parfait. Alors j'ai recordé tous les fails que vous m'avez envoyés dernièrement et la vidéo faisait quasi 40 minutes. Donc j'ai coupé ça en deux et je vous passe la première partie aujourd'hui et on en verra la suite sûrement fin de semaine prochaine. Comme d'habitude les potes, je tiens à vous rappeler que vous êtes extrêmement nombreux à m'envoyer des clips et que donc je ne peux pas passer tout le monde. Mais je vous remercie tous sincèrement de m'envoyer autant de contenu et sachez que je regarde absolument tous vos clips et que je sélectionne ceux qui me font le plus rire. Comme d'habitude les vilains, si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours autant plaisir, et bien évidemment ça aide la chaîne à se référencer de plus en plus, et je vous remercie d'avance pour ça. Bref, pas trop de blabla les potes, je vous retrouve en fin de vidéo, et d'ici là je vous souhaite un bon visionnage. Alors, nous voici dans le futur. On commence avec qui? Ashkill. Au moment où j'ai fail, j'ai pensé à toi direct. Continue ainsi, tu es grave cool. Merci Ashkill. Eh hey, mais ils sont les trois mains dans la main les gars. C'est chier. C'est chier. Attends, on est là, non, je l'ai pas. Bah non, je me rappelle. Ah non, ouais, bon, ouais. Le silence du joueur français qui part. Hop. Ah, il se barre, il se barre. Oh putain. Le fail. C'est tellement moche. C'est dommage parce que t'as l'air plein de bonne volonté en fait. Hop. Hein, à ce moment là. Hop. Ah, il se barre, il se barre. Oh putain. On voit qu'il y a quelque chose. Le fail. C'est dommage et c'est un fail dans les règles, comme on les aime. Un beau fail tout caca, je valide. Ensuite on a Wourson. Ah, oh, Wourson. Wourson qui avait participé à un incroyable talent, je crois, avec son wingman des enfers. Voyons Wourson ce qui t'arrive. LOL. C'est bien ce jeu. LOL. Mais c'est quoi ce jeu de merde, putain? Mais c'est incroyable. Je regarde vers là-haut, ça descend. Non mais c'est un truc de ouf, hein. C'est un jeu de baiser, gros. T'es maudit, mon gars. Oh là là, trois fois d'affilée, gros. C'est n'importe quoi. Ce jeu est codé avec la nu, clairement. Mes condoléances, Wourson, pour cette mort désolable. Ça se dit désolable? Pfff, j'invente des mots, en fait. Alors, ensuite, on a Wallenby. Le problème de cette nouvelle map. Mon internet, c'est de la merde. Ah non, c'est bon. C'est affreusement fort. Ça sent le grappin précipité, ça. Bah, c'était sûr. Bah oui, mais c'est du vide derrière, copain. Mais vous... Bah, comment tu peux me dire que c'est de la malchance? Tu connais pas la map ou quoi? C'est qui? Wallenby, le problème de cette nouvelle map. Non, c'est le problème de ton grappin, mec. Clairement. En plus, regarde, tu le vois sur la minimap. Que c'est plan cul derrière. Et ouais. Chez. Le grappin est beau après. Le grappin en lui-même est pas dégueu. Mais remettre ça sur le compte de la map, mon ami, c'est bien dommage. Ok. Valka, troller trollé. Allez, let's go. Fais-moi rêver, ma friend. On oublie tout le temps, mais là-dedans, il y a un gilet violet. Hein. Violet? C'est pas forcément violet, regarde, ici, regarde, non? Regarde là. Youhou. Ah ouais, je vois. Oh, le karma. L'immonde enflure, comment t'as Allez, fait ça? Allez, l'immonde enflure, j'adore cette insulte. Il était pas content. Non, non, rien. Non, mais... Il était trop content de t'avoir troll. J'ai pas dit ça, alors. Oh. Oh, franchement, j'ai pas compris. Comment il t'a donné une leçon? Bien fait. Enfin, bien fait. Pff, moi, en vrai, ça m'arrive, je rage quitte. Je rage quitte parce qu'on prend un chaise violet devant moi et en plus, j'ai voulu troller et c'est moi qui me fais troller. Je serais trop salé à ta place. Hello Click, mon pote fait son premier kill en ranked et c'est à ce moment là que... PS. T'es un boss, lâche rien. Merci copain. Allons voir ton pote qui fait son first kill, qui se dépucelle en ranked. Donc ça, c'est la vue de ton pote? Ah, non, ça c'est ta vue. J'étais à l'intérieur. Ciao. Ah mais merde, lui il a accroupi. Le gaz, oh là là. Sors du gaz. Rentre dans le gaz, c'est bon plan. Attention la grosse. Ah, t'as été collé. Non. Vous faites wipe. Non, mais quoi? C'est... Oh, ça, je peux le clipper, ça. Ouais, tu peux clipper cette noobitude. GG, les gars. C'est dommage. Un dépucelage fini d'un craquement de capote, en fait, du coup. Tristesse.
Alors, ensuite on a The Notorious. L'action est nulle. Allons voir ton action nulle. Oh là là, ça arrive fort. Mais va-t'en la mouche de ses morts. J'ai tellement pas de soin. T'es en mauvaise posture. Pourquoi tu disques pas pour te barrer? Ah non. Oh la nez dégueulasse. Comme ça. Oh non. Mais non, mais l'action tellement je suis obligé de l'enregistrer, vas-y. Oh, deux fois que ça m'arrive. Deux fois en plus. Oh, le mec il s'est tué comme ça deux fois. La tristesse en fait de ce move encore une fois. Hein. On sent que t'étais un peu dépassé par les événements. T'avais juste un disque au-dessus, non? Je sais pas trop. Mais ça aurait pas fait un beau clip du coup derrière, donc dommage. Alors, Mister V8, le meilleur finisher que j'ai pu faire. Ah. Mauvaise idée, les finishers au bord du vide. Tchè. Allez hop, karma. Ah, c'est tout. Moi, j'aimerais bien entendre le rage qui va juste derrière. Parce que là, tu vas pas me dire que t'as pas eu de réaction. Je veux pas y croire. Bon, ça c'est pas mal. Tatane 117. Oui, oui. Le karma existe. Je savais même pas qu'il y avait un ravin de base. Putain, mais je lis comme un CP aujourd'hui, là. Je suis mou du cerveau aujourd'hui. Chez. Pourquoi je peux pas mettre en plein écran? Un PC, c'est de la merde. Ah. Mais tu sais que le pire, c'est que tu peux attraper la zip, là, en l'air, là. Là, flèche de droite? Non, mais tu trolls, en fait. Là, t'es sur console, mais c'est pareil, en fait. Tu peux attraper la zip, ici, là. Là, quand tu lâches, là, tu peux attraper la zip, no joke. Donc, tuto Pathfinder sur ma chaîne, c'est parti. Plus d'excuses. Bon, tristesse pour toi. Super Smooth, la fumigène peut parfois être dans le top tier. Avec Benga, du coup, je suppose. Je main Benga, les gars. Ça fait des rimes. Ça fait trop longtemps que j'ai envie de la main, et puis j'avais envie de changer de perso. Du coup, je suis parti dessus. Surtout qu'elle va peut-être être buff. Qui a hypé par le fait qu'elle soit buff? Voilà. Voilà pourquoi je main Benga. Regarde ça. Regarde ce kill hors du commun. Oh, la tristesse de ce move encore. Putain, c'est dommage. Il y a des miniatures cheloues, c'est moi. Non mais c'est... Hey, on peut en parler des miniatures là ou quoi? Trop bien. C'est trop bien, j'adore YouTube. Du coup, ouais. Qui est emballé par l'éventuel buff de Bengalore? J'ai bien envie de savoir. Dites-moi en commentaire qui c'est qui va la main si elle est buff. Et qui la main déjà en fait. Alors... Subga, waouh, ton pseudo me... Je vais t'appeler SBL. J'avais repéré le mauvais ennemi. Ah ouais? Ah non, j'ai remis la fumigène top tier. Apprenez-moi à me servir d'un PC. S'il vous plaît, ok. Y'a pas de son? Ah si. Elles vont me péter les yeux avec vos FOV 80 sur les consoles. Je sais pas comment vous arrivez à... Je sais pas, ça paraît... Oh! Mais ce jeu, mon gars. Un ennemi là-bas. Oh, la tristesse. Eh, dites-moi en commentaire, les gars, est-ce que c'est la FOV max que vous avez sur console, ça? Genre, vous pouvez pas mettre une FOV plus grande? Non? J'arriverai pas à jouer avec une FOV comme ça, je pense. J'aurais trop du mal. Après, vous êtes peut-être... Ouais, vous êtes habitué, tu me diras. Un ennemi là-bas. Mort de merde, du coup. GG la Dropbox. Ça s'anticipe, ça. Hein. Je suis désolé, hein. Ça, tu travailles tes duels contre les Dropbox en training et ça t'arrive plus. Ou pas. Alors, Spice Geoffrey, on peut dire que c'est un fail glissant. Allons voir. Les mouches me gonflent. T'habitez pas en campagne, les gars. Déjà d'une, vous aurez une connexion internet merdique. Et en plus, c'est blindé de mouches. Ou alors, faut que j'aille me laver, peut-être. Ça fait chier d'aller se laver, hein. Voilà pourquoi Loba doit disparaître à tout jamais. Pff, il est totalement buggé ce perso. Pff. En fait, je compatis à ta douleur et d'un côté, non, parce qu'il est tellement buggé que je comprends pas que tu joues encore sur ce perso moisi. Sérieux, son disque il bug tout le temps. C'est dingue. Non, tu ne passeras pas. Allez, salut. Ah, tristesse pour toi, copain. Tristesse pour toi. Alors, j'étais entre le salé et le rire de la situation. Ah, moi, je rage tout le temps comme ça. En fait, quand je rage, je suis entre mort de rire et super énervé. Clip en découverte de Loba, maintenant je sais pourquoi ça n'avait pas marché. Bah voilà, encore du Loba.
Donc je suppose que c'est un disque qui chie dans la colle. Ah, ça vous rappelle pas la vieille musique par la maman? Regarde. Ouais, j'ai des références musicales plutôt chelou. Pourquoi t'as pas essayé d'ouvrir une box? La box qui était devant toi plutôt que mettre 100 ans. Eh, tu sais que ça se trouve dans cette box, mon gars? Regarde bien. Ça se trouve dans cette box, il y a un chest violet et qu'est-ce qui ferait bien le café au début là? Une R99 ou un truc comme ça? Mais non, tu préfères t'acharner à lancer son disque tout buggé qui pue. Et du coup, Respawn te punit. Bah voilà, j'espère que t'es content de jouer sur Apex Legends. 3 putains de lancers. Ouais, tu dois être salé. Non mais les gars, ceux qui jouent le bas, faut changer de perso. Hein, jusqu'à ce qu'il fasse quelque chose. C'est n'importe quoi. C'est vous faire du mal. Vous vous faites du mal. C'est comme si tu te forçais à jouer au Mozambique. Sans la mort point, en plus. For what? Salut Click, voilà un petit clip qui, je pense, te fera rire. En plus d'être matché en solo slash trio, je me fais pas respecter au spawn. Le retour lobby était rapide et le cassage de console était pas loin, je suppose que tu dis derrière. Il faut pas casser sa console. Sauf si t'as les sous pour acheter un PC derrière. Ça, c'était un beau move. Alors. Ok, je pense que je vois c'est quoi le move. Ok, je sais c'est quoi le move, ouais voilà, 100%, c'est trop buggé à chaque fois, tout le monde se fait bump ici, il y a toujours un mec qui finit dans le vide ici. Ah, je suis mort 3 mètres à côté moi, il y a pas longtemps encore, tristesse pour toi, ici ça pue. Alors, j'ai cru être un héros en les sauvant. T'es un héros d'avoir essayé mec, c'est ça qu'il faut se dire. Ok. Crypto sur l'action. Il récupère les bannières. Incroyable move. Et oui, le sauvetage est fait. Simple, efficace. La glissade parfaitement exécutée. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, mon gars? À quel moment tu fais ça? Mais vous... En plus, mec, t'es en plate 4. Ça veut dire que la map, t'y as joué plein de fois, non? Qu'est-ce que j'ai pas? T'étais défoncé ou quoi? Faut pas jouer Apex Legends bourré parce que ça donne ce genre de résultat. Et l'autre marque GG. T'as fait exprès, c'est pas possible. Je crois que c'est l'une des morts les plus nulles que j'ai vues pour l'instant. Franchement, GG du coup. GG en fait, t'es grave dans le thème. Si c'est pas fait exprès, parce que c'est tellement nul comme mort que je me demande si c'est pas fait exprès. Alors, ne jamais troll sur Apex, 14 minutes 45. Du coup, si c'est dans les faces, c'est-à-dire que tu vas perdre ça, mais... Tu vas t'en vouloir d'avance. Oh! What the fuck? Oh, tu prends un lag au pire moment. Non, et il avait un sacrilège et du coup, tu meurs comme une merde. C'est la tristesse incroyable. Oh. Alors, n'arrête pas de troll pour autant, les gars. Il faut troller, il faut être toxique. Sinon, c'est pas drôle. Les jeux vidéo, c'est fait pour rigoler. Donc sinon, il est tout le temps super sérieux, c'est pas marrant. Il faut pas que tu restes sur ta mauvaise expérience, il faut que tu remontes sur le vélo et il faut que tu retibagues un mec très très vite. D'accord? C'est très important. C'est très important pour ta santé mentale, sinon tu vas devenir un vieux aigri et con qui joue comme ça aux jeux vidéo. Pff, crois-moi, tu vas pas devenir comme ça. Et dommage pour la co, et tu fais comme moi, tu cherches une autre maison et vite. Alors, psyché délicatesse. Quand tu te retrouves obligé de te suicider pour vivre, la vidéo nanana. Attends, quand tu te retrouves obligé de te suicider pour vivre. Ah, t'es bloqué dans la box. C'est quoi ce bug encore? Ce jeu, quoi. Je suis bloqué, gros. Mais alors pourquoi te suicider? Mon perso veut pas bouger. Je peux même pas me désaccroupir. Me désaccroupir, c'est le mot que t'as inventé au passage, c'est trop propre. Je me désaccroupis. Mais je comprends pas pourquoi tu vides pas la caisse. T'es au courant que quand tu vides la caisse, elle dépop, s'il y a plus rien dedans. T'as juste à... Tu vides tout ton stuff par terre, tu vides la caisse,
Et voilà, la caisse a disparu et t'es sorti de là. En fait, je pense que tu voulais montrer le bug, mais c'est toi qui es marrant, là. Parce que tu vas te foutre en l'air alors que t'as juste à vider la box. Et du coup, tu te butes et tout. Oh là là, la tristesse. T'aurais déjà fini de vider la box depuis 1000 ans, mon gars. T'ouvrais ton inventaire, tu jetais tout par terre. Et hop, tu ramassais tout, tu revidais tout. Et du coup, tu te ressuscites pour qu'il amène ta bannière, je suppose. La tristesse du move, gros. C'est nul. C'est trop nul. Donc, tu le sauras pour le prochain coup. Quand tu vides une box. Tu sais, quand t'es au début de la game et qu'il y a un mec qui meurt et qu'il a pas d'arme, sa box, ça disparaît direct. Bah, parce qu'elle est vide. Donc, t'as juste à vider ton arme. C'est cadeau, c'est pour moi. Ça fait plaisir. C'était un petit tuto dans une vidéo fun. C'est cadeau. On est comme ça ici. Alors, gros fail à cause de mon tremplin octane pour aller loot. J'en vois pas mal en ce moment des fails de tremplin d'octane. Ou des mecs qui se font laser aussi sur le tremplin d'octane, comme non, il était bébé. Quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai récupéré ta bannière comme un trou du cul. Mort. Voilà. Non, mais non. Mais là. Oh la mort caca ici. Mais tu vois pas que t'as un PV gros et que tu vas crever de toute façon. En fait. Mort. Genre là. Regarde ta vie. Où t'as une seringue et tu la mets genre maintenant. En plus la zone elle est juste à côté de toi en fait. Pourquoi tu vas y retourner? Non. Oh la tristesse. Je sais pas où tu te fails. Oh, tu le prends bien en tout cas donc c'est cool. Il faut bien le prendre. Il faut bien le prendre. Moi j'aurais pété mon bureau mais il faut bien le prendre. Voilà les vilains, j'espère que cette vidéo vous a plu, et comme je vous l'ai dit au début, la suite étant enregistrée, elle devrait arriver très bientôt. D'ici là, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, laissez un petit commentaire pour me dire quel clip vous avez préféré, et bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Avant de vous laisser, sachez que cette semaine, je vais vous dévoiler quels sont les 5 finalistes de la première saison d'Apex Legends à un incroyable talent. Donc restez sur le qui-vive, et d'ici là, ceux qui ont des idées de défis à donner aux finalistes, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. J'ai quelques petits trucs sous la main, mais je serais curieux de savoir quel défi vous seriez hypé de voir à l'écran, sachant que les joueurs sont sur des plateformes différentes. Alors, pour ceux qui veulent m'envoyer de nouveaux clips, sachez que j'ai fermé le Google Doc, et donc j'en ai posté un nouveau, vous le trouverez dans la description de cette vidéo, ainsi que les liens vers Gamer Coach, vers Utip pour ceux qui veulent me soutenir gratuitement, et vers mes réseaux comme Twitch ou Twitter. Bref, c'est tout pour aujourd'hui les potes, moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là je vous souhaite de bonnes games à tous. Ciao.